Alors voilà. Donc, tu me dis. Donc on est chez Karl. Super. Et donc on est en train d'utiliser le banc PIV qu'a conçu David. Super. Ouais. Donc on rappelle rapidement, une boîte en plexiglas dans lequel on met donc un support. Hop. Le support sur lequel on va donc mettre un bobine. Donc là, ce qui est sympa, c'est que Karl, il arrive à travailler avec le bobine hémisphérique qu'on utilise au la PDC. Donc il fait donc environ de 45 grammes et tout en plastique. Donc là, on voit derrière, on a deux bâtons d'encens qui vont générer la fumée. Et puis au-dessus, derrière. Là, on va travailler en PIV, ce qu'on appelle PIV vertical. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une tranche horizontale qui coupe le mobile sous forme d'un cercle, et bien là, on va faire une tranche verticale qui va couper l'hémisphère en deux. D'où la caméra qui est ici. Là. Au milieu, comme ça. Et puis voilà, on est en train de... Voilà, donc là, le but, c'est au milieu, oui, tout à fait. Bon, après, si tu veux régler, parfaire le truc, je te laisse. Ah, ouais. Mais c'est parfait. Là. Pas trop mal, je crois. Si, il est un peu incliné. Il est un peu, ouais. Il est un peu comme ça. Mais je vais doucement parce que la fixation n'est pas... Ah, là, c'est pas mal. Et maintenant, il faut le décaler. Voilà. Hein. Décaler un peu là-bas. De l'arrière. Ouais. Pousser là-bas un peu, parce qu'il est trop... Encore un peu par là-bas. D'accord. Ça va être bon, là. C'est bon, là-bas. Tu ramènes. Tu le fais tourner légèrement, peut-être. Comme ça. Ouais, c'est pas mal ça, je pense. Sinon, je te laisse parfaire. Je pense qu'on a une tranche assez sympathique. Ça m'a l'air. Et on voit qu'apparemment la fumée, elle va se... C'est quand même assez magique parce qu'on voit déjà là, avec la lumière, on voit déjà les volutes de fumée. On va allumer celle-là. En plan vertical. Et là, Karl est en train de mettre en place la caméra qui va filmer. Merde, c'est un petit peu trop bas. Une petite cale. Bon, cela dit, on voit bien. C'est pas mal. Ça. Je dois avoir pratiquement toute la largeur là. Là, c'est pas mal. On va vérifier qu'on est bien un max. Je crois qu'on est pas mal. Nickel. Déjà rien que là, c'est très démonstratif, hein, parce qu'on voit bien le. Mais ça, c'est ton regard. Les volutes de fumée qui se voient bien avec l'aspect confinement. Mm-hmm. Tu vois, quand tu passes, on voit le courant d'air. Alors, par contre, j'ai toujours un petit temps avant. On va voir ce que ça donne, mais souvent, j'ai un petit temps avant que ça se. Ça s'enclenche. C'est pas instantané, c'est ce que je veux dire. Je sais pas si tu as remarqué, c'est souvent il y a. Alors, le masque. Ouais, parce que par contre. Voilà, le masque, ça, c'est très sensible. C'est plutôt pour la fumée, parce que finalement. Ouais, c'est la fumée. Et puis la lumière. Ah, attends, je vais juste mettre un peu plus léger sur le... Voilà, pour que je puisse cliquer facilement. Je vais voir si je peux filmer, sinon je filme en lumière. Je peux me mettre en lumière. Un genre de... Non, mais je peux me mettre en... Je vais peut-être me mettre en mode... Ça peut être sympa, ça. Je vais essayer les deux modes pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai envie de... Allez, le temps... Que les choses fonctionnent. Alors en fait, là, il faut que je descende.
On voit bien où est la main. Oui. En fait, je vais la rechoper, ça va être bon, mais... Alors, moi, c'est ma chirurgie. Je vais à ma fille. Tu vois les endroits où la fumée, elle ne vient pas. C'est très... Si tu viens vers moi, là... Attends, ce que je vais faire, c'est monter la caméra de du truc, parce que je m'aperçois qu'il y a des trucs à filmer aussi, qui sont assez sympas. Donc, je vais tenter mon... Voilà, je vais prendre la main. Pareil, on voit le... Avec le plan laser, on voit le coin là-dessus. Je sais bien que ça démarre, mais ça va le faire. Hein, mais... Des fois il y en a une plus accessible que l'autre. Le chat. Thank you.
déconcentré. Je me déconcentre là. Merci beaucoup.